Hein? Voilà. Merci, pasteur Rudy Pop. Merci, Rudy, de m'accueillir ici en ces lieux où j'ai la joie de retrouver de nombreux amis. De vous avoir salué, j'en suis un peu ému ce soir et j'espère ne pas trop vous décevoir. Je ne suis pas un spécialiste de Martin Bucer. Mais lorsque Rudy m'a sollicité, il a évoqué effectivement la tradition dominicaine, sachant que Martin Bucer n'est pas resté très longtemps dominicain. Et néanmoins, en travaillant le sujet, je vais m'aventurer à poser des questions auxquelles je n'ai pas toujours les réponses, loin de là, mais qui ouvrent des pistes peut-être parfois inattendues, parfois même désarçonnantes, comme je vais essayer de vous le proposer ce soir, d'un Martin Bucer dont je poserai la question: est-il un réformateur en marge de la réforme dominicaine? Donc, ce qui nous obligera de poser la question de ce qu'est la réforme dominicaine. Et si nous sommes donc dans l'église du Temple Neuf, tout le monde ne connaît pas nécessairement Martin Bucer, donc je commencerai à faire une brève esquisse du parcours de Martin Bucer pour reprendre trois points successifs, qui seraient donc un frère prêcheur à l'aube du XVIe siècle, un frère prêcheur au cœur de la réforme dominicaine, et un frère prêcheur face à l'humanisme et la réforme protestante. Donc, frère prêcheur du couvent des Dominicains de Célestat, disciple de Martin Luther et précurseur de Jean Calvin, Martin Bucer prêche la réforme protestante à Strasbourg à partir de 1523, comme il vous a été dit, incessamment, avant de participer à la réforme de l'Église d'Angleterre à partir de 1549. Pour le moins atypique, d'après ses linéaments, la destinée de Martin Bucer est en partie déterminée par sa formation dominicaine, voire son opposition, mais sous quels aspects, à l'ordre dominicain. Mais plus encore par ce qu'on appelle communément la réforme dominicaine. Créée grâce à Conrad de Prusse, voit le jour à Colmar en 1389, et dont Jérôme Savonarole, le célèbre Savonarole de Florence, est certainement la figure la plus controversée. Alors, très brièvement, pour rafraîchir nos mémoires ou donner quelques éléments à ceux qui ne connaîtraient pas la figure de Martin Bucer, quelques repères. Sachant, j'aurais pu dire précédemment, ce n'est qu'une conférence sur Martin Bucer et donc la tradition dominicaine, vous bénéficierez dès ces jours prochains, notamment à Célestat, à la bibliothèque humaniste, et puis à l'université de Strasbourg, et selon le parcours qui vous a été proposé par Rudy, d'autres conférences qui seront relatives à proprement parler sur Martin Bucer et la réforme. Alors, Martin Bucer naît le 11 novembre 1491. On est quasiment à deux jours d'un anniversaire. Il rentre au couvent des Dominicains dans sa ville natale en 1506. Il a 15 ans. C'est l'âge ordinaire d'entrée d'un novice dans un couvent dominicain depuis le XIIIe siècle. Rompu à l'étude des langues bibliques et proche de l'humaniste Beatus Renanus de Célestat, il noue des liens privilégiés avec Erasme. Lors de son séjour au couvent de Heidelberg, au moment où il étudie en réalité à l'université de Heidelberg,
Donc, lors de son séjour à Heidelberg en 1517, il rencontre Martin Luther et s'engage résolument dans la réforme de l'Église. De retour en Alsace en 1523, il a quitté l'ordre dominicain, il a pris femme et il s'établit à Strasbourg où il travaille sans relâche avec Matthias Zell, le curé de la paroisse de la cathédrale, et Wolfgang Capiton, curé de Saint-Pierre-le-Jeune. Et ils travaillent donc tous trois, d'un commun accord, à l'introduction et à l'organisation de la réforme à Strasbourg. Devenu chef de l'Église strasbourgeoise en 1528 et soucieux d'entretenir une unité entre les différents mouvements de réforme qui apparaissent dans la vallée rhénane, il rédige, ou co-rédige plus exactement, la confession tétrapolitaine des villes de Strasbourg, Memmingen, Constance et Lindau, en 1530. En 1538, afin d'entretenir, de nourrir et de proposer cette confession de foi, il fonde, ici même, dans l'ancien couvent des Dominicains, avec l'aide de l'humaniste Jean Sturm, la Haute École, embryon de l'Université de Strasbourg, qui, sous le patronage du magistrat de la ville, a pour vocation de former les étudiants en théologie et par conséquent les futurs pasteurs de l'Église naissante. Il met dès lors en œuvre, dans le cadre de la réforme protestante, ce que Jean Geiler de Casesberg, le grand prédicateur de la cathédrale de Strasbourg, appelait de tout cœur des années durant, sans en voir l'esquisse même d'une mise en place. Enfin, Martin Bucer écrit de nombreux traités qui, tel son règne du Christ, sont autant d'exhortations à rétablir l'ordre inhérent à l'œuvre de Dieu, ordre dans lequel tout est ordonné au bien commun. Et quand je parle de bien commun, cela résonne déjà, consonne en réalité avec ce qu'il a hérité de la tradition dominicaine. Nous y reviendrons. Dans son ouvrage intitulé « De l'amour du prochain », Martin Bucer expose un programme de réforme fondé sur la loi fondamentale de l'amour du prochain, qui, lorsqu'il est vécu, donne corps à l'Évangile. Être chrétien, pour Martin Bucer, ce n'est rien d'autre que, je cite Martin Bucer dans ce traité de l'amour du prochain, « croître dans la foi, devenir parfait dans l'amour, ne pas vivre pour soi-même, mais vivre pour son prochain. Et par le prochain, vivre pour le Christ, et par le Christ, vivre pour le Père Tout-Puissant, le louer et le magnifier en toute éternité. » Cette vision que l'on peut qualifier d'universaliste, puisque chez son auteur, et je vous citerai des passages plus conséquents, puisque chez son auteur, elle concerne l'ensemble de la création, cette vision universaliste est, selon lui, au fondement de toute réforme des fidèles, de l'Église et de la société. Comme vous le savez, pour nombre d'entre vous, si Martin Bucer est un disciple de Martin Luther, sa théologie et son ecclésiologie influencent Jean Calvin, qui, comme vous le savez, s'est réfugié à Strasbourg entre 1538 et 1541. Un Calvin qui réalise, formalise et pérennise ce que Martin Bucer
n'a pas réussi finalement à accomplir par lui-même ici à Strasbourg. Il est vrai qu'en 1549, notamment, il y a d'autres pièces au dossier, mais sous la pression de l'empereur Charles Quint, Bucer quitte l'Alsace, se rend en Royaume d'Angleterre, se fixe à Cambridge, et là, par son enseignement, il contribue à consolider la réforme du Royaume d'Angleterre, la réforme donc, de l'Église anglicane, instaurée par le roi Henri VIII. D'ailleurs, c'est lui qui travaille activement à la rédaction, à la confection du Prayer Book, donc le premier livre de prière de l'Église anglicane. Martin Bucer meurt le 28 février 1851 à Cambridge, reçoit les hommages de l'Église anglicane. Et vous connaissez l'histoire de l'Église d'Angleterre, elle est assez mouvementée. Et dès lors, en 1556, 5 ans après sa mort, avec la restauration catholique à l'initiative de la reine Marie Tudor, son corps est exhumé, brûlé avec ses écrits, et les cendres de son corps et de ses écrits sont dispersées dans la Tamise. Néanmoins, on peut toujours se recueillir sur une plaque mémoriale à Cambridge, depuis que sa mémoire est réhabilitée sous le règne de la reine Élisabeth Ier. Comme l'évoquait le pasteur Rudy Pope, l'unité est au cœur effectivement de ce parcours qu'on vous offrira pendant toute cette année à l'occasion de ce 5e centenaire de la réforme à Strasbourg et du travail de Martin Bucer qui a activement travaillé à l'unité en se confrontant à de terribles réalités qui ont sapé son travail, lequel était envisagé à l'aune d'un bien commun, d'un service du prochain, et sur lequel nous allons revenir, puisque ce sont deux réalités concomitantes qu'il hérite de la tradition dominicaine. Alors, cette tradition dominicaine, nous allons la traverser avec quelques rappels. Donc, vous aviez le portrait de Martin Bucer. Ici, effectivement, Célestat, que vous retrouvez ici dans cette carte de Merian, avec donc votre gauche le couvent des Dominicains. Et ici Heidelberg, au pied du grand château, pour le moins romantique aujourd'hui avec ses ruines, non loin de cette forêt non moins romantique, puisque... Si vous me permettez une petite note musicale, c'est dans cette forêt, dans un petit monastère qui est devenu une maison d'écrivains dès le XIXe siècle, que Karl Maria von Weber a écrit ses premières notes de Der Fratschux, le premier opéra romantique. Et le couvent des frères dominicains de Heidelberg, ce couvent où réside Martin Bucer dans ces années où il va rencontrer Martin Luther. Et je vous citerai donc une lettre de Martin Bucer concernant cette rencontre avec Martin Luther. Alors, veuillez m'excuser. Ah, il y a un problème. Je vous avais... Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un document qui a disparu. Dommage. Ce document qui a disparu, c'est... On va revenir sur un couvent. La carte de la province dominicaine de Teutonie,
Donc, l'ordre dominicain, pour rappel, naît en 1215, approuvé par le pape en 1216, à l'initiative de Saint Dominique, contemporain de Saint François d'Assise. Saint Dominique qui fonde son ordre en 1215 à Toulouse et meurt à Bologne en 1221. En moins de 6 années, son ordre essaime dans toute l'Europe, entre la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Et cet essaimage des couvents est corrélatif au fait que Saint Dominique est allé au concile de Latran IV en 1215 à Rome et qu'il a rencontré nombre d'évêques à cette occasion-là. Et dès lors, dès le lendemain de sa fondation de l'ordre des prêcheurs, nombre d'évêques ont appelé Saint Dominique à fonder dans leur province, leur diocèse respective. D'où, effectivement, cette expansion assez incroyable de l'ordre dominicain en moins de 6 années. Parmi les provinces dominicaines qui sont sur ce territoire européen, il y a la province de Teutonie, une province assez incroyable qui va donc de Anvers, Antwerpen, à Vienne, Wien, en Autriche, et dont Strasbourg est exactement au centre, quasiment sur les deux axes que représentent le Rhin et le Danube, et qui permet donc aux frères de cette province de pérégriner de l'est en ouest et du nord au sud assez facilement. Au cœur de cette province, et là où se trouve Strasbourg, il y a l'Alsacia, qui compte pas moins de, au XIIIe siècle, de 11 couvents dominicains. Strasbourg est fondée en 1224, et vous savez depuis cet été qu'on a retrouvé le premier couvent des dominicains de Strasbourg dans le quartier du Finkwiller. On savait qu'il était dans ce quartier du Finkwiller, mais on n'avait pas trace jusqu'à ce que cet été, une fouille de sauvetage à l'occasion de la construction donc, d'un édifice a permis de retrouver le dallage de l'église et notamment des éléments très signifiants de l'occupation des lieux qui, de 1224 à 1244, fut un couvent dominicain et à partir de 1254, un monastère de dominicaines lorsque les frères, en 1254, ont rejoint le centre-ville, la même où nous nous trouvons, avec la petite chapelle Saint-Barthélemy qui va donner son nom au couvent, couvent de Saint-Barthélemy. Vous avez un couvent à Worms, fondé en 1227, à Bâle en 1233, à l'initiative d'ailleurs des frères de Strasbourg, à Fribourg-en-Brisgau en 1235, à Speyer en 1260, à Berne en 1269, à Colmar en 1278, tardivement, et d'une manière peu banale, à l'initiative des sœurs dominicaines de Colmar. À Wissembourg et à Agno en 1288, à Célestat et Guebwiller en 1294. Toute cette ville ainsi citée, vous retrouvez le maillage nord-sud de l'Alsace où vous avez un couvent dominicain dans chacune des villes à 20-30 km les uns des autres. Sachant que, puisque j'ai évoqué les sœurs dominicaines, vous avez des monastères de moniales dominicaines dans chacune de ces villes, deux notamment à Colmar ou à Guebwiller, voire 7 ici à Strasbourg, avec un certain nombre de béguinages qui se sont érigés en monastères avec la protection des frères dominicains qui accompagnaient les sœurs dans leur vie de prière. Si je prends uniquement le couvent Saint-Barthélemy, sur le site duquel nous nous trouvons, en 1290, il n'y a pas moins de 110 frères. À titre de comparaison, au couvent Saint-Jacques à Paris, on en compte jusqu'à 150. C'est vous dire l'importance que représente le couvent de Strasbourg. Mais autre temps, autre mœurs,
En 1442, ce couvent n'abrite que 42 professes. Alors qu'en 1440, un donateur ne prévoit de pitance que pour 30 religieux clercs, prêtres. Et en 1524, lorsque la Meister et les deux membres du magistrat viennent au couvent interroger ses occupants, notamment pour leur demander de déménager, ils ne recueillent que les dépositions de 15 religieux, dont un convert. C'est vous dire l'affaissement, pour ne pas dire l'écroulement, de cette vie religieuse au couvent Saint-Barthélemy de Strasbourg, dans l'ordre dominicain. Mais un couvent qui était riche, très riche. Au XVe siècle, au moment de cette décrépitude de l'ordre dominicain, les dominicains ont 511 livres de revenus, alors que les franciscains plafonnent à 450 livres de revenus et que les carmes de loin les plus pauvres atteignent à peine 90 livres de revenus. Des revenus qui viennent essentiellement de moyens fonciers acquis au fur et à mesure des années, quand notamment des béguines qui étaient esselées, qui ne vivaient pas en communauté, ont fait don de leur maison aux frères dominicains, comme certaines en faisaient don aux frères franciscains. Et donc Strasbourg était, sur le plan urbain, grignoté en termes immobiliers par les communautés religieuses, et en particulier les frères dominicains et les frères franciscains. Ce qui n'était pas sans créer certaines animosités que nous allons retrouver dans la suite de notre propos. Pourtant, les frères ont une place particulière à Strasbourg, parce que jusqu'en 1514, l'évêque auxiliaire du diocèse est toujours un mendiant, habituellement un dominicain. Mais il est vrai aussi que ce poste n'est pas seulement considéré, il est lucratif. Alors, je ne brosse pas un tableau merveilleux de ce couvent Saint-Barthélemy au XVe siècle et à l'époque de Martin Bucer, alors que vous savez que ce couvent a été un lieu de l'âge d'or de la spiritualité, de la mystique, ici dans la vallée rhénane, avec la présence pour quelques années d'enseignement de Albert le Grand, la présence pour l'accompagnement démonial de Maître Eckhart, la présence de Jean Tolère. Il y a un basculement assez incroyable entre ce que fut ce couvent au XIVe siècle et ce qu'il devient à la fin du XVe siècle. À la fin du XVe siècle, alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Je ne comprends pas. Il y a plein d'images qui ont disparu. Bon, tant pis. Dommage. À la fin du XVe siècle, vous avez un certain Jean Geyler de Kaysersberg qui prêche à la cathédrale de Strasbourg. Je ne vous fais pas le portrait de Jean Geyler. Vous savez qu'il a prêché près d'une trentaine d'années, jusqu'en 1510, année de sa mort. Mais je ne peux m'empêcher, hélas, de vous citer un sermon qu'il a donné le 6 avril 1500. Moïse, descendant du Sinaï, se prit de colère contre le peuple qui avait érigé le veau d'or en son absence. Jean-Baptiste, la lampe ardente, a grincé des dents et a fait de vives reproches au roi Hérode. Tu n'as pas le droit de prendre pour épouse la femme de ton frère. Le Christ s'est emporté contre les pharisiens et les vendeurs du temple. Les apôtres ont été ses imitateurs. Paul ne ménage pas toujours ses correspondants.
grand sceau de Galate, lance-t-il un jour. En ces derniers temps, les temps qui sont les nôtres, dit Jean Geller de Casesberg, du haut de sa chair, vous l'imaginez, en ces temps derniers, de tels prédicateurs zélés n'ont pas fait défaut. Je pense à Benoît, à Bernard, et à ce prédicateur éminent entre tous, Dominique. On raconte que dès avant sa naissance, sa mère crut porter en son sein un petit chien qui s'en échappait avec une torche allumée dans la gueule pour embraser le monde. Il fut en effet la lumière des nations pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres et à l'ombre de la mort, le gardien de la maison de Dieu. Il a poussé de grands aboiements contre ses ennemis. Aussi ses fils, les Dominicains, ont-ils porté ce nom de Dominicanes, les chiens du Seigneur. Mais qu'en est-il de nous actuellement, dit Jean Geyler de Casesberg. Hélas, ce n'est pas du feu, mais de l'eau, non du froment, mais de la farine, non de la lumière, mais de la boue qu'ils ont dans la bouche, nos frères prêcheurs. Dans leur sermon, ils disent que le mal est bien et que le bien est mal. Ils mélangent le permis et le défendu. Ils approuvent la pluralité des bénéfices ecclésiastiques. Ils multiplient les dispenses. Ils prétendent que les pactes publics sont tout à fait licites et mille autres déviations de ce genre. Ils trompent tout le monde car dans leur bouche, ils ont de la boue. D'autres, frères prêcheurs, ont de la farine plein la bouche, ce qui les empêche d'aboyer. Contre ceux qui sont corrompus, qui pratiquent illégalement le trafic du blé et du vin, ils ne peuvent protester dans la crainte d'être privés eux-mêmes de ces aliments en représailles. Enfin, certains prêcheurs n'ont en bouche ni boue ni farine. Ils ne se soucient pas des biens matériels, ils prêchent la vérité. Ils prêchent la vérité, mais avec froideur, en annonçant la parole de Dieu avec ménagement. Je dis bien avec ménagement. À l'instar des cantonniers qui, dans la rue, travaillent à l'économie de leur mouvement. Trop nombreux parmi les nôtres, ces pusillanimes qui administrent à faible dose les vérités de la foi et de la morale. Ils craignent sans doute que leurs auditoires ne leur tournent le dos, comme il a coutume d'arriver au cours de l'aspersion d'eau bénite. Les fidèles se protègent la tête avec la main, mais si le prêtre les asperge copieusement sur la figure, ils se détournent et s'en vont. C'est ce qui arrive pour la parole de Dieu. Les reproches du prédicateur sont-ils bienveillants ? Tout va bien, personne ne bouge dans l'auditoire. Les réprimandes se font-elles plus directes et personnalisées ? Aussitôt se lèvent pour partir les personnes visées ou qui se croient visées. Mais, dis-tu, frère prêcheur, je ne ménage pas les auditeurs dans mes prêches. Je leur parle d'abondance de cœur. Pourtant, je n'obtiens aucun succès. Veux-tu en connaître la raison ? Même si tu parles d'abondance de cœur, ta parole n'est pas enflammée. Les mots qui sortent de ta bouche sont glaçants.
Le tison ardent que le séraphin a pris sur l'autel céleste pour en toucher les lèvres du prophète Isaïe n'a pas atteint nos lèvres. C'est pourquoi tu n'enflammes pas le cœur de tes auditeurs et que tu éteins en eux le feu de la piété. Je ne suis pas très fier d'entendre ce sermon de Jean Tolère à l'adresse de mes frères aînés du couvent de Strasbourg. Vous voyez où est la cathédrale, vous voyez où nous sommes. Et vous entendez comment les fidèles entendent cette parole du prédicateur strasbourgeois, nommé par les édiles de la ville, nommé en l'occurrence par Sébastien Brandt, des édiles qui veulent faire comprendre à certains ordres mendiants, et notamment aux prédicateurs, les frères prêcheurs, qu'ils ne jouent pas leur rôle. Si pendant des siècles, les griefs contre les religieux sont assez communément d'ordre financier et moral, à l'aube du XVIe siècle, en fait, les griefs sont d'ordre théologique. On ne leur reproche pas tant leur indignité que leur erreur, c'est-à-dire ce que vous avez entendu, cette manière de manier la casuistique. Le tort le plus grave qu'il leur est reproché n'est pas d'avoir été un mauvais exemple en soi. Il y avait de bons frères au couvent Saint-Barthélemy, mais c'est d'avoir transmis un message déformé. Et face à un message déformé, il faut une réforme, si je veux jouer sur les mots. Et une réforme, l'ordre dominicain ne l'a pas attendue de l'extérieur de son corps propre communautaire, avec la parole de Jean Geyler de Casesberg ici à Strasbourg. Cette réforme, les frères dominicains l'ont vécue dans leur corps propre communautaire dès le XIVe siècle, avec ce qu'on nomme assez communément la réforme dominicaine, mais qui serait plus à proprement parler les frères de l'observance. Et il y a deux acteurs à l'initiative de ce mouvement qui va grandir en Italie peut-être, mais d'abord en pays germanique, en Italie de surcroît, et sur l'ensemble du territoire européen, en France notamment. Ces deux acteurs... Ah non, excusez-moi. C'est Catherine de Sienne et Raymond de Capoue. Et vous avez ici les pages d'un ouvrage qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, qui vient du couvent de Schönsteinbach, près de Colmar, un monastère de moniales dominicaines, où se trouvait donc ce manuscrit, qui est le manuscrit allemand 34 de la BNF, qui est la vie de Sainte Catherine de Sienne par Raymond de Capoue, et illustré, savoureusement illustré, avec ici Catherine venant demander au pape de rentrer à Rome et dès lors de quitter Avignon, et ici Raymond de Capoue auprès de Catherine, qui rend son âme à Dieu après 33 années de vie sur terre. Raymond de Capoue est né en 1330 et entre au couvent des dominicains de Capoue en 1345. Il fait ses études de théologie à Rome et il arrive à Sienne en 1370. Et alors qu'on se pose des questions sur la prédication
de Catherine de Sienne, ses supérieurs dominicains lui demandent d'accompagner cette jeune tertiaire dominicaine pour s'assurer de sa doctrine, du bien fondé de ce qu'elle dit et de la faire grandir dans la foi qui lui est propre. Or, ces deux personnages vont être la cheville ouvrière d'une réforme dominicaine de ce qu'on appelle les frères de l'observance, dans un souci de revenir au fondement de l'ordre dominicain, de fondement de cette flamme qui manque effectivement à ce prédicateur dominicain et ce que reproche Jean Geyler dans son sermon du 6 avril 1500. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité au XIVe siècle? Alors que, si je vous ai cité Maître Eckhart, Jean Toller, et on peut citer Henri Cizeaux aussi, dans cette première moitié du XIVe siècle, on a un âge d'or de la spiritualité, de l'engagement dominicain. Et pourquoi a-t-on besoin d'une réforme dès la seconde moitié du XIVe siècle? C'est qu'entre-temps, vous le savez, il y a eu la peste noire, il y a eu le schisme d'Occident avec à un moment donné un pape à Avignon et un pape à Rome, et de surcroît au début du XVe siècle, quand on veut mettre tout le monde d'accord, on dépose l'un et l'autre, ou tout au moins ils renoncent à leur charge l'un et l'autre, et apparaît un troisième pape, un antipape à Pise, vous avez un tissu de la chrétienté qui est déchiré, laminé. Et dans les communautés qui ont été réduites à peu de choses après la Grande Peste, puisque c'est les communautés qui ont pâti le premier de l'épidémie, dans les communautés où il reste quelques frères, ces quelques frères se disputent entre eux sur leur allégeance au pape de Rome, au pape d'Avignon, selon la province, selon le couvent. Et finalement, au fur et à mesure, vous avez des frères qui se satellisent, et une vie communautaire qui s'amenuise et tend à disparaître. D'où ce souci de Raymond de Capoue et de Catherine de Sienne de susciter un sursaut au cœur de l'ordre des prêcheurs, et notamment appelé par les moniales qui avaient besoin de prédicateurs pour les accompagner spirituellement. Et ce sursaut était de revenir aux sources de la vie dominicaine, de ce qu'avait initié Saint Dominique, le bien commun notamment, en prenant, certes, ce lui a été imposé, mais il l'a pris et il l'a vécu, la règle de Saint Augustin, frère très cher, avant tout, aimez-vous les uns les autres, et ce « aimez-vous les uns les autres » s'actualise dans le bien commun et l'unanimité. Alors face à une déchirure, une satellisation et une vie privée qui se met en place dans les couvents dominicains, Raymond de Capoue et Catherine de Sienne inspirent effectivement un mouvement de réforme qui est un retour aux sources. Ce qui vaut à un certain nombre de couvents de passer au fur et à mesure à ce qu'on appelle la réforme dominicaine. Et c'est le cas du couvent de Célestat. C'est le cas du couvent de Heidelberg. Et si Martin Bucer est envoyé du couvent de Célestat à Heidelberg, c'est que les frères de l'observance dominicaine de Célestat était sûr que le jeune Martin Bucer trouverait un lieu adéquat pour vivre, accomplir sa vie dominicaine. Alors que le couvent de Strasbourg, dont je vous ai évoqué la décrépitude, n'était pas un couvent réformé. Le couvent de Guebwiller aussi était un couvent réformé.
Mais les frères de Strasbourg avaient beau jeu de dire que ce couvent réformé qui avait redéployé leurs produits financiers à l'extérieur s'en était trouvé ruiné et donc la vie n'y était plus viable. Quoi qu'il en soit, cette vie de la réforme dominicaine porte ses fruits et elle essaime sur l'ensemble du territoire, sachant que je vous ai cité Célestat et Heidelberg, puisque ce sont les deux couvents de Martin Bucer, mais le premier couvent de la réforme dominicaine est fondé par un disciple de Raymond de Capoue, Conrad de Prusse, et ce couvent est celui de Colmar. Et c'est à partir de Colmar, en fait, qu'en Alsace, essaime cette réforme dominicaine, avec un souci du bien commun, un souci de l'unanimité, un souci du prochain. Et quand je dis un souci du prochain, cela résonne, je l'espère, chez vous, avec ce que je vous ai dit au tout début de Martin Bucer, que nous allons retrouver dans son traité de l'amour du prochain. Alors, au fur et à mesure que essaiment les frères de l'observance dans ces couvents d'Alsace, bon, il y a une sorte d'affrontement qui se met en place entre frères de l'observance et frères de ce qu'on va appeler les conventuels, donc ceux qui n'ont pas endossé ce souci de réforme dominicaine. Et si on reprend la littérature des frères de l'observance, effectivement, on a quelque chose d'assez manichéen. Les frères de l'observance, ce sont ceux qui reviennent à l'ordre établi par Dominique, qui portent la bonne manière de vivre la vie dominicaine, à contrario des frères décadents non observants des couvents qui n'ont pas adopté la réforme dominicaine. Mais si on regarde de près, je ne peux pas vous en faire tout l'exposé ce soir, c'est pas aussi clair que ça. Et par ailleurs, la réforme dominicaine prône aussi un souci théologique de revenir à saint Thomas, rien que saint Thomas, au détriment de toutes les modernités théologiques qui ont pu être dénoncées par certains, dépréciées par les autres, qui restent néanmoins opératoires pour certains, et qui offrent par ailleurs à d'autres encore d'abonder dans l'humanisme naissant. En se ressourçant ad fontes, aux sources, donc aux lettres hébraïques, aux lettres grecques, un certain nombre effectivement de textes anciens qui reviennent dans les bibliothèques et qui offrent effectivement aux frères de s'exprimer différemment. Et l'exemple type de cet affrontement se trouve en Italie plus qu'en Allemagne, avec nos frères de l'observance, dont Jean Dominici, en Italie, à Florence, qui s'insurge effectivement contre les textes humanistes, mais soit dit en passant, ils s'insurgent contre les textes humanistes dans leur prétention à être équivalent à la manière de manier la théologie scolastique. Donc si on commence à rentrer dans le détail de l'affrontement, c'est un point de vue donc du mode d'expression de la théologie qui se met en place et dont découlent les manières d'être, les manières d'envisager le monde, et les manières de prêcher.
Or, Jean Dominici, s'il prend distance à l'égard des humanistes, il est néanmoins l'auteur d'un ouvrage qui est L'amour de charité, et qui va être un best-seller dans les couvents de la Réforme. Et si je termine sur un volet italien, Jean Dominici, moins connu, mais Antonin de Florence, plus connu, cofondateur du fameux couvent San Marco, et qui devient archevêque de Florence et qui est le co-novice de Fra Angelico, permet à cette réforme de se déployer. Et l'héritier de ce mouvement de réforme à Florence s'appelle Jérôme Savonarole. Jérôme Savonarole, qui est à l'origine effectivement de cette prédication contre ceux qui s'enrichissent dans l'Église, ou des princes qui s'enrichissent aux dépens des fidèles, et qui met dos à dos le pape Alexandre VI et les Médicis, et finit par instituer une cité de Dieu à Florence, qui se termine très mal, puisqu'elle se termine en 1797 avec l'exécution de Savonarole en place de la Signora. Là, il m'arrive de trouver des choses à Lille. Hein. Ce médaillon de Savonarole se trouve au musée des Beaux-Arts de Lille. Et si je prends la figure de Savonarole, elle est très problématique, très grand spirituel, mais sur le plan de son ecclésiologie et de sa politique, il pose beaucoup de questions sur la manière dont il dirige la cité de Florence avec une raideur, une pesanteur plus que contraignante et qui ne laisse aucune liberté aux citoyens. Savonarole est le pur produit des frères de l'observance de la réforme dominicaine. Donc, c'est un peu facile d'opposer les frères de l'observance et les frères dits conventuels avec les bons et les méchants. Le dossier est beaucoup plus complexe. Et tellement complexe qu'un éditeur de Savonarole s'appelle Martin Luther. Et effectivement, Martin Luther ne pouvait qu'apprécier cette prédication donc, de Savonarole contre les grands et les désordres de l'Église. Martin Luther, que Martin Bucer rencontre à Heidelberg, à Heidelberg en avril 1518. Martin Luther assure une dispute théologique où il vient soutenir cette thèse qu'il a soutenue en 1517 à Wittenberg et développe ses idées sur la justification par la foi seule, sur la volonté serve et l'impuissance des œuvres tout entachées de péché. C'est ce qu'il dispute donc à l'université d'Heidelberg le 26 avril 1518. Et c'est à cette disputation que Martin Bucer assiste. Martin Bucer qui est dans un couvent de la Réforme à Heidelberg. Et dans une lettre
au savant Urbain Régius de Célestat, Martin Bucer écrit, suite à cette disputation, la chose suivante. Au chapitre de son ordre, Luther a présidé un savant colloque. Ses propositions ont dépassé l'attente générale. Elles ont même paru hérétiques. Ses réponses brèves, appuyées sur la parole de Dieu, nous ont tous ravis. Il joint à la vigueur d'un saint Paul la finesse d'un Érasme. Et Érasme, Martin Bucer n'y est pas indifférent, puisqu'il est de ce milieu de l'école latine de Célestat, de ce milieu de Beatus Renanus converse et échange sur le plan épistolaire avec Érasme, et Martin Bucer a l'oreille alertée. Il est d'un couvent de la Réforme, des frères de l'observance. Il a l'oreille alertée, effectivement, sur l'humanisme, qui n'est pas nécessairement à l'honneur dans un couvent de la Réforme. Il a l'intelligence, effectivement, de voir où sont les points qui conviennent de prêcher ou sur lesquels il convient de s'appuyer pour prêcher dans la société qui est la sienne, qui est une société en ébullition, et où vous avez entendu un Jean Geyler de Casesberg appeler une réforme de la société et du peuple par la réforme de la prédication. Donc, Martin Bucer, alerté, avisé, demande une entrevue avec Martin Luther. Et cette entrevue va être décisive, parce que ce jeune homme qui évolue dans un milieu dit de réforme et qui voit les limites contraignantes de cette réforme dite dominicaine trouve en Martin Luther une autre voie de réforme elle-même. Donc, comme je vous l'ai dit, et je ne veux pas redire ce que je vous ai présenté initialement sur le parcours de Martin Luther, il finit par quitter l'ordre dominicain et arrive à Strasbourg en 1523. Et un de ses premiers écrits, c'est ce traité de l'amour du prochain. Et je vous en cite quelques mots. Dieu ne fait pas appel à nos services pour subsister dans son essence divine qui nous dépasse. Et là, d'emblée, Martin Bucer se situe entre les deux mouvements de la via moderna et la via antica qui sont disputés dans l'université, dans les écoles de théologie et dans l'ordre dominicain. Sachant que, effectivement, les frères de l'observance se prononcent pour la via antica, sur un saint Thomas sans éléments adventices, face à la via moderna qui avance peut-être avec Guillaume d'Ockham, le nominalisme, mais aussi avec l'humanisme. Et donc, lorsque Martin Bucer dit « Ainsi Dieu ne fait pas appel à nos services pour subsister dans son essence divine qui nous dépasse », il se met en retrait de la via antica pour une autre voie. Laquelle ? Dieu n'en a nul besoin, lui qui par lui-même est tout, possède et peut tout. Mais il nous a créés, ainsi que toutes les créatures, dans l'intention de faire connaître sa bonté. Il a voulu que quelque chose fût qui, existant par cette bonté, en jouisse aussi continuellement et la reconnaisse. C'est pourquoi nous, ces créatures, pouvons et devons l'aider dans l'exercice de cette bonté. C'est-à-dire que chaque créature doit se mettre au service de toutes les autres avec tout ce dont Dieu l'a pourvu et doté,
afin que de toutes parts s'élève et éclate la louange. L'Éternel est bon envers toutes choses, et sa bienveillance s'étend sur toutes ses œuvres. » Citation du psaume 145. Toutes les créatures sont restées conformes à cet ordre divin, sauf le diable et l'homme. Car elles n'existent pas pour elles-mêmes, mais avec tout ce qu'elles sont, possèdent et peuvent faire, elles sont au service de Dieu en faisant du bien à toutes les autres créatures, conformément à leur nature et à leur destination. Le ciel opère ses révolutions, et lui, non pour lui-même, mais pour toutes les créatures. De même, la terre produit non pour elle-même, mais pour toutes les autres créatures. Ainsi, toutes les plantes et tous les animaux sont organisés pour être utiles à d'autres créatures et notamment à l'homme par leur existence, leur qualité, leur pouvoir et leur activité. En vertu de l'ordre mentionné, les créatures étaient donc toutes très bonnes. Il y a une telle liaison entre elles qu'elles se sont réciproquement utiles et se font du bien les unes aux autres, les créatures inférieures en étant soumises au service de l'homme et de l'homme en les utilisant comme il le doit, c'est-à-dire en les dominant selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que Dieu exerce par eux sa bonté. Je cite encore juste en exergue, parce que je trouve que cette fin, prête à beaucoup de controverses encore aujourd'hui, mais je retiendrai. Il y a un service qui dépasse celui que l'homme rend à toutes les créatures en les utilisant bien. Dieu lui a créé un être semblable à lui envers lequel il lui a implanté l'amour, ainsi que le désir de le servir et de lui faire du bien. C'est à tel point qu'il a voulu que ces créatures fussent bonnes et serviables, ne vivent pas pour elles-mêmes, mais pour les autres. Tel est l'un des premiers traités de Martin Bucer, pierre angulaire de toute sa théologie de ce que j'oserais qualifier d'œcuménisme au sein des églises protestantes, avec un souci du bien commun, un souci des autres, un souci du prochain. Mais tout ce qu'il exprime là, à travers ce moment décisif de la rencontre de Martin Luther, c'est ce dont il hérite en fait de la tradition dominicaine, de la règle de saint Augustin, du bien commun, de l'unanimité. Bien commun, unanimité, qui ont été disputés par les frères dits conventuels et les frères dits de l'observance. Ils partent l'un et l'autre des mêmes réalités, mais ont des approches différentes. Ne se situant ni face aux uns ni face aux autres, ni avec les uns ni avec les autres, Martin Bucer opte pour une troisième voie, avec ce qu'il met en exergue de la bonté, bonté originelle, bonté créatrice, bonté à l'égard du prochain. Il se démarque dès lors, il est en marge de l'ordre dominicain, il est en marge de la réforme dominicaine, mais il est essentiellement héritier de ce que porte l'ordre de Saint-Dominique depuis la prédication de Dominique lui-même dans le Languedoc, prédication d'un Dieu créateur, d'un Dieu bon face aux parfaits qu'on appelle communément les cathares, manichéens selon certains, avec un Dieu de la création qui serait mauvais. À ce type de propos, Saint Dominique oppose
son credo, un Dieu bon, un Dieu de bonté. Et c'est sur cette bonté essentielle que Dominique prêche et fonde son ordre, en s'adjoignant ensuite des réalités comme une règle, des constitutions, des modes de vie, qui ont été disputés par ses frères ultérieurement, mais dont le noyau est social, et ce qu'a vécu saint Dominique verbo et exemplo, par la parole et par l'exemple. Alors vous l'avez entendu dans le sermon de Jean Geyler de Kaysersberg, il y a une déliaison entre la parole et l'exemple, une déliaison même dans l'ordre de la parole elle-même, dans ce qu'elle exprime, ce qui attire les foudres de Jean Geyler de Kaysersberg sur les frères dominicains du couvent Saint-Barthélemy. Mais soit dit en passant, l'idée de froideur dont parle Jean Geyler de Kaysersberg ne s'adresse pas essentiellement aux frères de couvent Saint-Barthélemy, mais aux frères de la réforme dite dominicaine, aux frères de l'observance. Donc, il y aurait à travailler davantage effectivement sur ce que représente cet affrontement au sein de l'ordre dominicain pour mieux comprendre l'émergence d'un Martin Bucer, dont la rencontre de Martin Luther est un détonateur, mais qui, dans l'expression même de son propos, en témoigne son traité de l'amour du prochain, porte en réalité ce dont il est héritier depuis ses jeunes années de noviciat au couvent de Célestat et qu'il a porté au corps dans ses années d'études au couvent d'Heidelberg. Sachant effectivement que ce souci d'unanimité qui est propre à l'ordre dominicain, Martin Bucer va le déployer autant qu'il lui était possible pour réconcilier des mouvements de réforme qui se satellisaient les uns par rapport aux autres dans ce bouillonnement qu'on observe donc dans ces premières années du XVIe siècle autour de Martin Luther, de Jean Calvin, des anabaptistes, de la confession d'Augsbourg, d'autres modes de pensée protestante, notamment avec Zwingli en Suisse. Et Martin Bucer n'a eu de cesse d'essayer de réconcilier tout le monde, de maintenir une parole commune entre ces différents mouvements, comme un prieur dominicain essaye de le faire dans sa communauté au milieu de ses frères, ou un prieur provincial au milieu de ces communautés déployées dans une province. En ce sens-là, Martin Bucer est resté un dominicain, aux marges de l'ordre, aux marges de la réforme, aux marges des conventuels, mais néanmoins, je crois, avec un regard tout à fait consonant avec celui de saint Dominique qui avait éveillé sa vocation. Alors, je n'ouvre pour l'instant que des pistes. Il faudra encore travailler tout le matériau propre à Martin Bucer pour y voir encore plus clair dans ce dossier. Mais je trouve que en prologue à ce que vous allez découvrir de Martin Bucer dans son travail ici à Strasbourg, de son ecclésiologie notamment, il reste encore au fond de lui une âme dominicaine dans un contexte très particulier, mais dont il a donné le meilleur dans des écrits comme le traité de l'amour du prochain. En espérant que vous n'êtes pas trop déçus, je vous remercie de votre patience et de votre attention. Merci beaucoup déjà à toi, Rémi. Il reste peut-être le temps de poser.
poser quelques questions, d'affirmer éventuellement quelques convictions. Est-ce que quelqu'un souhaiterait se lancer ? Bonsoir. Et merci pour cette conférence très intéressante. Je voudrais vous poser une question qui dévie peut-être un peu de Martin Bucer. Et vous avez cité Jean Glaëlère dans son prêche, ce prêche de 1500. Et je voudrais savoir quel fut le rôle des dominicains de Cologne vis-à-vis de la réforme dominicaine. Je veux parler des dominicains de Cologne du début du XVIe siècle, comme Jacob Hochstraeten. Alors, quand vous évoquez les dominicains de Cologne, je pense à un autre Jacob, Jacob Sprenger, malheureusement connu comme son disciple Institoris, comme rédacteur de l'ouvrage qui s'appelle Le marteau des sorcières. Ouvrage qui est le manuel des inquisiteurs pour l'interrogatoire et la reconnaissance et l'interrogatoire de celles qu'on désignerait ou de ceux qu'on désignerait comme sorciers et sorcières. Ouvrage qui a perduré dans le temps et qui a fait des dégâts épouvantables. Institoris comme Sprenger sont tous deux des purs produits de couvents de la réforme dominicaine. Ils sont tous les deux des purs produits de l'observance dominicaine. Ça me désarçonne, parce que pendant très longtemps, effectivement, je réolais cette réforme dominicaine, et notamment à l'aune de ce que représentent les fresques de Fra Angelico à San Marco. Je l'ai dit à mot couvert concernant Savonarole pour rester dans le domaine italien, mais dans le domaine germanique, ces couvents de l'observance sont à l'initiative, effectivement, de l'émergence de ces deux frères et de leurs propos qui ont été une catastrophe dans le tissu social, ecclésial des terres germaniques. Et au-delà des terres germaniques, partout où a été diffusé ce Malleus Maleficorum, le marteau des sorcières. Alors, c'est très troublant. Jacques Sprenger, fils de la réforme dominicaine, est aussi l'initiateur des confréries du rosaire. Des confréries du rosaire qui essaiment dans tous les pays germaniques, à partir de Cologne, qu'on retrouve ici en Alsace, à Colmar notamment, donc de soutien des fidèles entre eux par la prière et la prière pour les morts, en réalité aussi, et qui a été un très beau mouvement d'entraide dans le tissu social germanique et autour des couvents des frères dominicains. Et le risque, enfin, si je commence à aligner tous ces éléments-là, c'est d'avoir une pensée binaire et dire que les uns sont noirs, que les autres sont blancs. Et c'est loin d'être clair. Et je pense que pour un Martin Bucer, effectivement, il y a eu un sacré chemin de discernement. Et
quand on manie l'amour du prochain, comment le mettre en regard du Maleus Maleficorum? Institoris, je rappelle, était du couvent de Célestin, où est entré Martin Bucer. Voilà, donc votre question me permet encore de dévider les chevaux où la ligne n'est pas claire du tout et que pour nos protagonistes, enfin le mot est un peu fort parce qu'ils ne sont pas devant leur mort, hein, mais pour nos acteurs effectivement de la réforme et au sein même de l'ordre dominicain, les choix ne sont pas simples. Et exige un sacré discernement. Alors, en tant que dominicain, je n'oserais pas dire que, veuillez m'excuser, hein, je suis au Temple Neuf, que Martin Bucer a eu le bon discernement par rapport à d'autres frères, mais le dossier manifeste que le paysage est loin d'être très clair. Et que ce serait une erreur fondamentale, et je le dis pour moi a posteriori, après m'être assez longtemps enthousiasmé pour les frères de l'observance, d'être plus prudent dans l'approche effectivement respective et des uns et des autres. Et d'alors d'être plus prudent aussi dans la manière dont peuvent émerger certaines figures comme celle de Martin Bucer, qu'on pourrait appeler du sein de l'ordre dominicain comme un renégat. Je pense qu'il faut être beaucoup plus nuancé. Et de ce que j'ai ouvert comme porte, sans pouvoir répondre à toutes les questions, vous permettent de le sentir. Et je crois que c'est important dans le climat actuel qu'on connaît aujourd'hui. On n'est pas dans un climat de la réforme, quoique, est-ce qu'au fond de notre propre cœur, il n'y a pas un appel ardent, immédiat, à une réforme, et pas seulement de l'Église, mais aussi de la société. Et que dans cet appel, il faut faire aussi attention à ne pas se montrer trop binaire entre les bons et les mauvais, et qu'il y a un souci de discernement et de revenir aux sources exige aussi de manier ces sources avec un certain discernement qui n'exclut pas, par ailleurs, effectivement, un regard sur la tradition et une prise en compte de la tradition. Et le problème, effectivement, entre les observants et les conventuels, ça serait de rejeter les uns vers la tradition et les autres vers les sources, et d'opposer les sources à la tradition. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je trouve que Martin Bucer, pour moi, devient un révélateur d'un élément, d'une réalité structurelle qu'on retrouve. Vous savez, l'homme n'est pas très imaginatif, hein, depuis l'aube de l'humanité, c'est toujours les mêmes histoires. Et les mécanismes que l'on trouve au XVIe siècle, ce sont les mêmes mécanismes que l'on retrouve aujourd'hui. Hors et à l'intérieur de l'Église. Hors et à l'intérieur des Églises. Mais cela demande effectivement un discernement et donc un enracinement, et dans les Écritures et la tradition. Il reste peut-être le temps d'une question avec une conclusion que tu nous proposeras. Est-ce que quelqu'un souhaiterait s'exprimer? Si ça n'est pas le cas, Rémi, peut-être tu nous proposes la conclusion tout court. Alors, proposer une conclusion, j'en ai quasiment juste à l'instant proposé une. C'est que cette année 1500,
Je suis encore dans le XVIe siècle, vous m'avez dit, m'excusez. Que cette année 2023, voilà, nous invitant à ressaisir ce que fut cette situation de l'Église, puis des Églises au XVIe siècle, lors de l'institution de la Réforme ici à Strasbourg, avec Bucer, Capiton et Zèle. Puis c'est cette année où nous allons recevoir nombre d'informations sur la figure de Martin Bucer, sur la réalité de l'Église, nous aider peut-être à y voir plus clair sur les lignes de conduite, les lignes d'ajustement, les lignes de nuance et de droiture à observer dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, pas seulement dans l'Église, mais dans le monde qui est notre aujourd'hui, puisque l'Église, elle est que la pointe d'iceberg, la pointe d'un iceberg, et c'est le même matériau. Et Jean Gaillard de Casesberg, pour revenir au propos initial de la prédication d'un prédicateur à Strasbourg au XVIe siècle, voilà, nous invitait tout à chacun à prendre en compte le matériau d'humanité qui est le nôtre, et à observer la juste voie, la via media. Et la via media, c'est celle que, effectivement, nous désigne systématiquement saint Thomas d'Aquin. Mais cette via media désignée par saint Thomas d'Aquin mérite effectivement des actualisations, mérite aussi une manière d'envisager le monde à travers une intelligence du monde qui n'est pas aujourd'hui celui de saint Thomas d'Aquin hier. Et donc je dirais que pour nous, frères dominicains, pour parler que des frères dominicains, nous avons un sacré travail de retour aux sources, de tradition, mais dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec une intelligence des situations. Mais ce que je dis de l'ordre dominicain, même si vous n'avez pas tous et tous cette tradition de saint Thomas d'Aquin, mais d'autres auteurs spirituels, elle vaut pour tout un chacun. Merci. Alors, à frère Rémi. C'est gentil, ces applaudissements d'encouragement et d'accueil d'un fils qui fait son retour prodigue ici en Alsace. Sachant que effectivement, moi je ne fais que balbutier. Je connais mal Martin Bucer. Le dossier est complexe. Celui qui aurait su en parler ici, c'est Francis Rapp. Francis Rapp, auquel j'aimerais rendre hommage, qui nous a quittés donc au tout début de la pandémie, et auquel je dois beaucoup, et son ouvrage sur la réforme à Strasbourg est une mine. Et puis il y a tous ses disciples, il y a des historiens qui ont mené nombre de dossiers comme Georges Bischoff et qui ont en main effectivement des propos que je n'ai pas moi-même. Et puis sur le plan de la théologie, vous bénéficiez de Marc Liénard notamment. Certains d'entre eux pourront parler ces mois prochains. C'est une grande joie et c'est eux qu'il faudra applaudir. Oui. Merci. Justement, tu l'avais mentionné, ce samedi à Célestat, à la bibliothèque humaniste, il n'y a pas meilleur endroit effectivement pour faire suite à tes propos, la société des amis ou les amis de la bibliothèque humaniste invite donc à une journée d'études avec Hubert Meyer, avec Gabriel Breuner, avec Anne-Marie Heitz-Müller, avec Mathieu Arnold, avec Marc Liénard et d'autres qui vont donc faire le tour d'horizon
qui vont sans doute reprendre aussi des éléments que tu as évoqués et qui vont donc officiellement ouvrir, j'allais dire, nos réflexions pour l'année Bucer 2023. Et donc cette journée, elle est ouverte à tout le monde, il n'y a pas d'inscription nécessaire. Il commence à 9h45 à l'auditorium de la Bibliothèque humaniste. Il va s'étendre jusqu'à 17h de l'après-midi et vous êtes bien sûr les bienvenus, vous êtes conviés à cette journée. Merci encore à Rémi d'être venu jusqu'à nous. Et donc, nous espérons que cette réforme qui a été entamée trouvera peut-être un retentissement aujourd'hui, grâce aussi à tes propos. Merci beaucoup. Merci.